Monsieur Humberto, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne, deuxième CCI de France. On est là pour parler de franchise. Donc est-ce que vous pouvez nous parler, nous expliquer un peu le poids de la franchise sur le territoire de la CCI ? Aujourd'hui, nous avons vocation à devenir une capitale de la franchise, puisque nous avons aujourd'hui près de 120 têtes de réseau implantées dans la métropole lyonnaise, et nous avons environ sur notre territoire 6 000 franchisés. Et comme vous le savez, nous organisons chaque année le forum de la franchise, qui est une manifestation qui, d'année en année, progresse. D'accord, donc vous avez le forum franchise qui tend à gagner en notoriété et qui grossit d'année en année. Est-ce que vous avez d'autres outils développés par la CCI de Lyon, Lyon Métropole, pour accompagner le développement de la franchise ? Oui, on a une équipe dédiée à l'accompagnement de la franchise avec des outils qui ont été mis en place. D'abord pour repérer les meilleurs des projets, c'est-à-dire ceux qui un jour pourront entrer dans le domaine de la franchise. Donc nous accompagnons ces projets et nous les amenons à se poser les bonnes questions avec une équipe d'experts. Et ensuite, lorsqu'ils sont décidés de se lancer dans la franchise, on les accompagne également avec l'ensemble de nos équipes depuis Lyon. D'accord, vous avez une formation spécifique à la franchise aussi. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette formation ? Oui, je pense que quand on veut se revendiquer comme une place forte de la franchise, il faut également ne pas oublier la formation. Et nous avons lancé avec l'Université Lyon 3 un master de développeur de franchise qui vient, si vous voulez, compléter les briques que nous avons mis en place à la CCI de Lyon pour la franchise. Pourquoi nous sommes et pourquoi en tant que président de cette CCI je suis si attaché à la franchise ? Tout simplement parce que c'est une forme d'entrepreneuriat que nous souhaitons voir se développer. Quand vous êtes franchisé aujourd'hui, c'est une façon de mettre le pied à l'étrier, c'est une façon de devenir entrepreneur, de devenir son propre patron. Et comme j'ai la conviction que ce sont les entrepreneurs qui vont sauver la France, eh bien, plus nous avons de franchisés, et mieux c'est pour notre pays.